Bon, Big Farmer, on va goûter tout ça. Non, le poulet. En tout cas, ça a l'air incroyable. Et moi, j'aime trop. C'est ça, moi, qui me tente. Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. J'ai une gueule, elle est horrible, je raconte même. Franchement. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner mes sourcils. Bref, j'espère que vous passez un bon vendredi, que la rentrée n'était pas trop dure, que vous gérez de fou. Ma team, c'est les meilleurs. Et voilà quoi. Nous, là, on a quelques petits rendez-vous avant de partir et de prendre la route. Ça y est, on s'en va. On rentre. Mais on rentre à Marseille. On a des choses à faire. Moi j'adore venir dans ce centre, c'est simple, parce qu'en fait ils utilisent des machines 1$, donc c'est des nouvelles machines qui font pas mal. Voilà, c'est trop bien. Vous pouvez vous exposer au soleil. Combien de temps après? 10 jours après. Vous devez vous raser juste avant, voilà, c'est une des conditions, même avant votre séance directement. Et voilà, et ça fait pas. Donc là, elle est en train de me faire le laser du maillot. Je peux pas vous montrer ça. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous mettre le flyer juste après parce qu'en fait, ils ont 6 centres dans Paris. Voilà. Et je vais vous dire un truc, ma propre expérience. Déjà, de 1, ça me fait pas mal du tout. Et de 2, c'est beaucoup moins cher que dans tous les autres centres de laser et chez les dermatologues. J'ai allongé. We could go on a